Elle ne répond pas rapidement à mes messages ou à mes SMS. Que faire? Alors messieurs, cette femme, elle vous plaît bien. Il y a eu un petit peu d'interaction entre vous et vous vous apercevez que cette femme met du temps à vous répondre. Et donc, vous vous demandez premièrement pourquoi et surtout que faire. Mais on en parle après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en relations amoureuses. Et dans cette vidéo, on va voir, elle met du temps à répondre à mes messages ou à mes SMS, que faire? Alors cette fille, elle vous plaît bien. Vous lui envoyez quelques messages et vous vous apercevez qu'elle met beaucoup de temps à vous répondre. Ou en tout cas, beaucoup de temps à votre goût à vous répondre. Alors messieurs, en préambule, j'espère que quand vous me dites beaucoup de temps, c'est pas 15 minutes ou 30 minutes. Parce que là, c'est tout à fait normal. Elle peut avoir une vie, cette jeune fille ou cette femme, et ne pas attendre désespérément que vous lui écriviez. D'ailleurs, vous aussi, vous ne devriez pas être suspendu à votre téléphone en attente de sa réponse. Vous devez remplir votre vie. Donc, si vous embêtez, faites du sport, lisez un bouquin, allez voir des amis. Bref, remplissez votre vie pour ne pas être suspendu à une réponse. Alors, on va dire que le délai de réponse de cette femme, premièrement, il est assez long, on va dire supérieur à une heure. Et que de deux, c'est fréquemment qu'elle met du temps à vous répondre. Si c'est qu'une fois, il ne faut pas paniquer. Encore une fois, cette femme peut avoir sa vie, être au boulot, avoir des enfants, etc. Donc d'abord, on va voir les cas pour lesquels une femme met du temps à vous répondre. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous le mets dans la description. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner à ma chaîne et de me mettre le petit classique pouce bleu. Donc le premier cas, c'est que cette femme a une vie occupée et qu'elle n'est pas suspendue à son téléphone. Et vous devriez en faire de même. Le deuxième cas, c'est qu'elle peut faire la femme qui n'est pas acquise. Donc, pour vous montrer qu'elle n'est pas acquise, elle vous fait poireauter un petit peu, généralement 15-30 minutes. Mais l'interaction, une fois qu'elle a commencé, s'enchaîne assez facilement. Et le troisième cas, et c'est le plus fréquent, messieurs, c'est que tout simplement, elle n'est pas intéressée par vous et qu'elle vous répond par politesse. Donc, quand vous me dites que faire quand cette femme met du temps à vous répondre, donc premièrement, c'est identifier pourquoi elle met du temps à vous répondre. Est-ce fréquent ou pas? Quel délai d'attente elle met à chaque de vos messages? Donc, on va voir les trois cas. Donc, si cette femme est occupée, vous pouvez juste la taquiner, jouer sur son agenda de ministre, etc. Logiquement, si c'est vrai, elle va rigoler, etc. D'ailleurs, bien souvent, elle va s'excuser de son délai de réponse. Ici, vous devez continuer à être joueur et taquin. Dans le deuxième cas, qui est où elle joue la femme qui n'est pas trop acquise, et donc vous laisse des délais de 15-30 minutes, peut-être même jusqu'à une heure avant de vous répondre. Là, vous devez faire avancer l'interaction jusqu'à un rendez-vous. Si vous êtes dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, elle va vous faciliter le rendez-vous. Parce que là, elle essaye de faire la femme qui n'est pas acquise, mais elle est très intéressée par vous. Et donc, lorsqu'on est intéressé par une personne, on a envie de la voir. Donc, elle va accepter vos rendez-vous ou dans le cas où elle n'est pas disponible, vous faire des contre-propositions pour vous voir. Et dans le troisième cas, qui est le bien plus fréquent, c'est messieurs, vous devez vous retirer de l'équation et laisser cette fille tranquille. Elle vous mentionne à travers sa non-communication qu'elle n'est pas intéressée. C'est que votre valeur à ses yeux n'est pas assez haute pour qu'elle puisse vous répondre et en tout cas envisager une relation avec vous. Donc dans ce cadre-là, il faut être bon joueur et se retirer de l'équation de la séduction. Elle n'est pas intéressée et donc vous devez lâcher l'affaire. Allez messieurs, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt avec James Dee.